À la une ce soir, fini le suspense. Judith Suminwa Tuluka nommée première ministre. Je suis consciente de la grande responsabilité qui m'est confiée. Le président de la République peut compter sur ma loyauté pour travailler pour le bien-être du peuple congolais. Vous allez écouter les premiers mots de la première ministre dans cette édition d'information. Lutte contre les crimes financiers. Azado et ODEP dénoncent le silence de la justice autour du détournement des fonds sur les soins médicaux. Et à la Gécamines, la Cour de cassation devrait interpeller toutes les personnes suspectes, estiment ces deux structures de lutte contre l'impunité. Antoinette Samba Kalambay, promue inspecteur des mines, cette nomination fait jaser. Pour éclairer l'opinion, le cabinet de la ministre des Mines sortante a réagi. Vous allez suivre cette réaction dans un instant. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce 1er avril. Je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information, une première en RDC, une femme accède à la primature. L'actuelle ministre du Plan vient d'être nommée chef du gouvernement. Une nomination qui vient mettre un terme à une longue attente. Je suis consciente de la grande responsabilité que le chef de l'État vient de me confier. La première ministre pense déjà aux populations de l'Est. 57 ans, Judith Suminwa s'est confiée à la presse. On l'écoute. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Peu avant justement cette adresse à la presse, la nouvelle première ministre a eu un bref échange avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 8, alinéa 1er, revu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé premier ministre, chef du gouvernement,
Madame Judith Souminois-Touluka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilin Niembombouzia, directeur de cabinet. De suivre la Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, qui donnait lecture justement de l'ordonnance portant nomination du nouveau Premier ministre. Nous reviendrons plus tard avec les images en rapport avec ce tête-à-tête avec le chef de l'État. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la session d'avril au Conseil économique et social. Nous y revenons avec Annie Mbalaka sur les temps forts. La coutume a été respectée. Les conseillers de la République ont tous répondu présents à cette cérémonie solennelle qui a marqué l'ouverture de la session d'avril 2024. Devant plusieurs invités de marque, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a présenté quelques avis adoptés par l'Assemblée consultative. Il s'agit entre autres de l'avis relatif à l'acquisition par la RDC d'un satellite de télédétection en vue de l'observation de la Terre et des ressources naturelles. Aussi, de l'avis sur la sécurité alimentaire en RDC, enjeux et opportunités pour l'avenir. Le Conseil économique et social a également adopté un avis sur le processus de la décentralisation face aux difficultés de sa mise en œuvre en RDC, enjeux et perspectives. Faisant fi des épurations ethniques de la fin des années 90, les innocentes populations de l'Est sont condamnées à mort par une loi non écrite, mais manifestement approuvée par les donneurs de leçons qui, hypocritement, sortent de leur tanière pour critiquer l'application de la même loi, mais cette fois-ci écrite, dont l'unique péché idéologique est que celle-ci était abolie par eux, et ne devrait donc pas être ramené en circulation par les victimes qui ne cessent qu'à se protéger. Jean-Pierre Kiwakana a également dévoilé l'objet de sa participation à la session économique et sociale, environnementale et culturelle de la Côte d'Ivoire et de son invitation à la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Russie en mars dernier. Le président de l'Assemblée consultative est revenu sur la signature de la convention de collaboration entre l'UCSA et le Conseil économique et social de la RDC pour le lancement de l'étude approfondie sur la mobilité climatique en RDC. Transport aérien, des discussions ont eu lieu autour de la sortie de la RDC de la liste noire de l'Union européenne. Ce sujet était évoqué au cours des échanges dirigés par le ministre sortant des Transports, Marc Ekila. Reportage Monique Mavungu. En quête des solutions aux problèmes qui touchent son secteur, le ministre des Transports, Maître Marc Ekila Likombo, a tenu d'importantes réunions axées sur la sécurité aérienne. D'abord avec les responsables de la régie des voies aériennes, conduit par son directeur général, Léonard Ngoma. Au menu, la question de la certification des aéroports internationaux de la République démocratique du Congo, Njili, Luano, Goma et Bamboka, sur recommandation du chef de l'État et mise lors d'un récent conseil des ministres. Il faut faire avancer le processus avec comme aéroport pilote celui de la Luano dans le Haut-Katanga et dont les travaux se poursuivent normalement. Après plus d'une heure, la réunion sera élargie avec l'autorité de l'aviation civile congolaise conduite par son directeur général adjoint, Emmanuela Natacha Bolombo. Nous venons de sortir d'une réunion conjointe entre l'autorité de l'aviation civile et la RVA, présidé par son Excellence Ekila. Nous devrions être accompagnés par la haute hiérarchie afin de pouvoir atteindre l'objectif, afin de pouvoir sortir de ce trou que la RDC persiste depuis des années. Le processus a été déjà déclenché et nous sommes en train de travailler étroitement avec la RVA. En termes de sécurité de la navigation aérienne, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a quand même des avancées. Il faut signaler également la présence du directeur général du Congo Airways qui a été convié à se joindre aux échanges.
À la une également ce soir, où en sommes-nous avec les dossiers de détournement de fonds à la Gécamines? Asado et ODEP montent au créneau pour dénoncer l'impunité. Les deux structures invitent la Cour de cassation à interroger les personnes citées dans cette affaire. Reportage de Ricky Nzouziloya Mayawel. La Cour de cassation doit être en phase d'organiser des poursuites contre des criminels financiers déclarés, surtout qu'à ces jours, l'inspection générale des finances, IGF, a déjà produit et déposé différents rapports au ministère de la Justice, se référant également à la Cour des comptes. Dans leur campagne de lutte contre l'impunité en RDC, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO et l'Observatoire de la dépense publique ODEP viennent s'apesantir au cours d'une conférence de presse au dossier relatif au détournement de plus de 27 millions de dollars au préjudice de la générale des carrières et des mines et 9 millions de dollars du trésor public. Ce dernier dossier constitué par l'équipe d'audit de la gestion des soins médicaux à l'étranger pour les exercices 2020 à 2022. Pour eux, ce silence consacre l'impunité de plusieurs personnalités qui ont été mises en cause par l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes. 4 mois épuisés, il y a donc lieu de passer à la vitesse supérieure, a déclaré Jean-Claude Katende, président national de l'ASADO. Il y a eu les détournements et certaines personnes ont été mises en cause, notamment M. Deogracias, M. Yuma et les autres. Ces dossiers ne sont pas toujours transmis à la justice pour permettre à ce que le procureur général, près la Cour de cassation, puissent s'en saisir et interpeller les personnes qui sont mises en cause. Pour ces deux organisations, chaque institution doit pleinement jouer son rôle pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels pour des bonnes leçons en faveur d'une meilleure gestion des finances publiques. Le point de contrôle des véhicules au niveau de Boma au Congo central, comment fonctionne-t-il? En mission d'évaluation, le directeur général de l'Office congolais de contrôle est passé sur place. La suite dans ce reportage signé Jacques Chupabouamej. À l'étape de la ville de Boma, dans la province du Congo central, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga Mutombo, a inspecté la station de contrôle technique automobile située dans l'enceinte du port de Boma, un poste stratégique de l'OCC qui permet de vérifier la qualité des véhicules d'occasion qui entrent en République démocratique du Congo via ces coins du pays. Étienne Chimanga Mutombo, DG de l'OCC, s'est aussi rassuré du bon fonctionnement de laboratoires de chimie et de microbiologie, car son souci est de voir le Congolais consommer des produits de qualité après une vérification sans complaisance au niveau de labo. Je suis dans le Congo central, actuellement plus précisément à Boma, dans une mission d'itinérance et d'inspection, afin de me rendre compte des conditions de travail des agents capitalistes, de contrôle et à me rassurer et parfait du doigt les réalités sur le terrain de la manière que ce cadre soit en train de faire. À l'agence de Boma, le DG de l'OCC a sensibilisé les agents et cadres sur la conscience professionnelle et les travaux bien faits. À son arrivée, il avait été accueilli chaleureusement par l'ensemble du personnel et les chefs coutumiers de ces terroirs. À la mairie de Boma, Étienne Chimanga Mutombo, DG de l'OCC, s'y était rendu pour présenter ses civilités et l'objet de sa mission au maire de la ville. Rappelons que la ville de Boma est le berceau de l'Office congolais des contrôles, né sur les cendres de la Société Générale des Surveillances. Antoinette Samba Kalambay, ministre sortante des mines, bénéficie d'une promotion dans l'administration, devenue inspecteur des mines. Sa nomination fait l'objet de polémiques. Je vous laisse suivre les explications fournies par son cabinet. Eugénie Dada-Chabagne. Tous les agents et cadres de la direction des mines sont d'office déversés au sein de l'inspection générale des mines, selon les décrets du Premier ministre conformément à son article 19. Ancien cadre de la direction des mines, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, figure parmi les cadres de cet organe de régulation du secteur minier en République démocratique du Congo. Les conseillers juridiques du ministère des Mines explicitent ces décrets. En exécution de ce décret-là,
Il a fallu que tous les personnels de l'inspection des mines, selon les grades, soient reversés à l'inspection générale des mines. C'est bien sûr en exécution de ces décrets-là qu'un arrêté a été pris pour nommer les personnels de commandement de la direction de l'inspection minière avec de grades correspondants au sein de l'inspection générale des mines. Madame Antoinette Nsamba, avant de devenir ministre des Mines, était chef de division à la direction de l'inspection minière. Donc, il était inspectrice. En application de ce décret, parce qu'elle est fonctionnaire de l'État, mais lorsqu'on est fonctionnaire, on occupe une fonction permanente au sein de l'administration. Nommée ministre des Mines, elle est en détachement. Autre chose, protection de la main-d'œuvre locale dans le secteur minier grâce au contrôle exercé par l'ARSP, TFM concède plus de marchés, plus d'espace aux sociétés tenues par des entrepreneurs nationaux. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. L'ère de la tergiversation autour de l'application de la loi sur la sous-traitance arrive maintenant à son déclin. Tenez, tous les grands groupes multinationaux, ou presque en RDC, s'alignent d'ores et déjà derrière la vision du président Tshisekedi dans ce domaine précis. C'est le cas du groupe CIMOC, qui a en son sein TFM et tant d'autres, qui acceptent volontiers de concéder un nombre important des marchés de la sous-traitance aux sociétés éligibles, dont la liste sera bientôt connue. J'ai eu personnellement une conférence call avec l'actionnaire majoritaire du groupe CIMOC. Nous sommes mis d'accord sur les recommandations qui seront faites au courant de la semaine des sous-traitants par secteur d'activité. Nous avons fait un travail avec la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait déjà un travail avec les autres corporations. Nous sommes arrivés au niveau où l'ARSP, sous la vision du chef de l'État, a créé ces opportunités. Et l'ARSP continuera à créer ses opportunités. Tink Fungurume Mining, un des géants miniers qui dispose d'une importante réserve du cuivre et du cobalt au monde, apprécie à juste titre les efforts du chef de l'État et de son bras armé, Miguel Cachal-Katimb. TFM a promis de respecter strictement la loi de sous-traitance et effectuer les activités dans le domaine de sous-traitance. Le DG de la RSP a pour finir recommandé aux sous-traitants congolais de faire preuve de maturité et de professionnalisme afin de défendre positivement l'image du pays. C'était avant de recevoir un présent très symbolique, un tableau représentant la dynastie Song, ancienne capitale de la Chine, qui s'est développée grâce au contenu local dont il souhaite pour la RDC. Les mandataires de la GECAMINE à l'école de formation, ils ont bénéficié d'un renforcement de capacité pour une meilleure gestion. Le séminaire stratégique a consisté à repenser le rôle majeur que pourraient jouer les administrateurs et les membres des différentes gestions du secteur minier au sein de la GECAMINE. Sous l'égide du conseil d'administration, avec la participation du cabinet conseil BCG, la thématique de formation s'est articulée autour de la manière dont la GECAMINE offre ses services au niveau international en ce qui concerne l'exportation du cuivre et du cobalt notamment. Le président du conseil d'administration, Lukama Kundji Guy Robert, a insisté sur la responsabilité et la redevabilité des administrateurs vis-à-vis de l'État et ses partenaires miniers. De son côté, le directeur général, Nkala Bassa Diloa Placide, a abordé la question centrée sur la prospérité économique de la GECAMINE face aux défis et aux opportunités qui y sont liées. Sous cette même lancée, la directrice de la gestion du personnel, Issazou Awakam Thérèse, a relevé l'importance d'assurer et de garantir les intérêts de l'État congolais par la production de la GECAMINE. En outre, les statistiques d'exportation du secteur minier à la GECAMINE sont les indices majeurs de la valeur productive, justifiant ainsi l'intérêt de cette société étatique, a indiqué le directeur général adjoint Masangu Amwanza Jacques. Enfin, la direction des participations par le biais de DPA Kitenge Kabaswangani Jean-Paul
a présenté les positionnements de la GECAMINE dans les farces économiques mondiaux à travers les chaînes des valeurs en cuivre et en cobalt. Les personnes atteintes d'albinisme plaident pour une nomination d'un de leurs postes de prise de décision. Elles ont fait une déclaration. On les écoute dans ce reportage de Cédric Keninambo. Ils sont tout d'abord reconnaissants du regard bienveillant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux personnes vivant avec albinisme et leur rôle au sein de la communauté. Les collectifs des personnes vivant avec albinisme s'accrochent à la vision du premier citoyen de la République et plaident pour une participation active des albinos dans les instances de prise des décisions. Depuis son indépendance, la RDC n'a jamais eu dans des postes décisionnels une personne atteinte d'albinisme, ni au gouvernement, ni comme mandataire public. Les personnes atteintes d'albinisme n'ont pas la vocation à rester en marge de la société. Les forums sur l'albinisme et d'autres actions menées sont des preuves palpables de l'attention accordée aux questions qui touchent à l'albinisme. Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le seul chef d'État en exercice de l'Union africaine à avoir organisé un colloque pour les sensibilisations à l'albinisme. Il est l'albinos à la peau noire du fait d'être né le 13 juin, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. J'ignore qu'un des coordonnateurs de ces collectifs a mené en amont un lobbying pour la prise en compte qualitative des personnes vivant avec handicap, notamment les albinos. L'UDPS appelle une fois de plus à une mobilisation générale autour du président de la République, appel lancé lors de la récente sortie médiatique du secrétaire général du parti présidentiel. Alain Bikaï revient sur les temps forts. C'est une rencontre de veille patriotique et de mobilisation patriotique des Congolais face à l'agression rwandaise. Selon le secrétaire général de l'UDPS, Kabuya, la traîtrise et l'infiltration de la classe politique n'est plus à démontrer. Pour le numéro 1 de l'UDPS, l'AFC est une AFDEL rénovée du sanguinaire Paul Kagame qui veut mettre en œuvre l'accord de l'Émirat pour céder une partie du territoire national à l'ennemi. Sans détour, l'élu de Mouamba a fustigé les comportements antipatriotiques de l'ancien président de la République qui est sorti au pays en catimini sans laisser aucune trace à la DGM. Pour lui, l'homme de Kingakati et son parti seraient membres de ces mouvements rebelles du marionnette Corneille Nangaa car il aurait sollicité un appui militaire d'un président africain en faveur de ces mouvements subvertifs. Non, c'est les Rwandais qui sont derrière Balobionanga Yakao. Na makamuno ya kare minye ndengo za nakanda tokende kaka ozala liboso. Kabila savait très bien que il va maintenant nous faire la guerre, raison pour laquelle Kobimanaye a signalé la quitter que a se prononcé na immigration na biso abimanaye na nenga ki yakobatama. Si en 1997, les Rwandais et l'AFDEL avaient humilié et tué les militaires congolais pour leur imposer James Kabarebe comme le chef d'état-major, cette fois-ci, nos vaillants militaires n'accepteront pas l'humiliation car ils défendront la patrie jusqu'au sacrifice du sang, a souligné Augustin Kabuya. Pour barrer la route à cette entreprise meurtrière, Augustin Kabuya appelle à une mobilisation générale autour du garant de la sécurité nationale. Cette guerre d'agression rwandaise nous imposait et venait arrêter l'élan de développement qu'avait pris notre pays sous l'impulsion de Félix-Antoine Tshisekedi, a conclu le secrétaire général de l'UDPS. Un courant de l'opposition politique appelle à la déchéance de la nationalité pour les traîtres. L'honorable Constant Mutamba, patron de la dynamique progressiste républicaine, a expliqué cette position aux jeunes. Son attitude républicaine fait de lui le fer de lance de la voix des sans voix. Constant Mutamba, chef de file de l'opposition républicaine, appelle à la déchéance de la nationalité congolaise en cas de traîtrise. Et ceux-là qui rejoignent les M23 et les RDF du Rwanda
pour leur donner des béquilles doivent subir la rigueur de la loi, a-t-il insisté. C'était au cours d'une rencontre politique avec la jeunesse congolaise et les cadres de son parti. Matinée axée sur les enjeux politiques de l'heure. La dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine encourage également, de manière patriotique, les actions menées par les gouvernements de la République, notamment par voie diplomatique, d'une part, et d'autre part, sur le front militaire. Les moments étaient également choisis pour le député national Constant Mutamba de présenter les contenus de sa proposition de loi portant interdiction de l'exportation des minerais congolais à l'état brut. Message qui a reçu un écho favorable de jeunes et cadres de la DIPRO dévoués à sa vision afin que l'opposition républicaine puisse être représentée valablement, notamment le bureau définitif de l'Assemblée nationale, pour le compte du quota de l'opposition. Avec 37 députés nationaux, la plateforme PEP AAAP occupe la troisième place en termes de force politique au sein du Parlement. Tous les sociétaires de cette plateforme se sont retrouvés. Je vous propose d'écouter leur déclaration avec Henriette Ouamou. Elle est présidente de l'A2R. La PEP AAAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de la plateforme, et tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire, elle s'engage à une mobilisation générale et à proposer des réformes à l'avantage du Président de la République et du peuple congolais. La PEP AAP réaffirme sa solidarité naturelle à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. La PEP AAP salue le travail de la Cour constitutionnelle et prend acte des arrêts sous RCE 1389 et sous R Const 2110. La PEP AAP informe les communautés nationales et internationales qu'au terme des arrêts de la Haute Cour des susventés, elle dispose à l'actif du chef de l'État et de sa majorité au sein de l'Assemblée nationale de 37 députés nationaux à raison de 22 députés nationaux élus AAAP, 5 députés nationaux élus AE, 4 députés nationaux élus AMSC, 2 députés nationaux élus A2R, ainsi que 4 députés nationaux reconduits par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans les circonscriptions électorales de Rutshuru et de Masisi ayant librement adhéré à AAP avant la convocation de l'électorat en décembre dernier. Il en découle que le PEP AAAP est la troisième force politique du pays et de ce fait, elle rassure de mettre à la disposition du chef de l'État des compétences à même d'implémenter dans différentes institutions les 6 axes principiels de sa vision refondatrice pour un Congo fort. La PEP AAAP félicite l'informateur pour la conclusion des travaux lui confié par le président de la République, mais constate, non sans regret, qu'elle a été reçue de manière fractionnée, contrairement aux autres ensembles constitués, et non sans incidence dans le jeu de sa participation à la gouvernance publique. La PEP AAP se dit préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Elle exprime par cette occasion sa profonde solidarité à l'endroit des compatriotes meurtris et victime des atrocités inhumaines et injustes. Propos recueillis par Malou Mbella. Discussion entre le banc syndical et l'équipe dirigeante à la régie des eaux. Les deux parties ont fait l'évaluation des activités réalisées en 2023, mais aussi des nouvelles orientations. Voici ce reportage. Au cours de ces assises, il a été question pour les responsables de la régie des distributions d'eau de l'RDC et les délégués des travailleurs venus des différents coins du pays d'évaluer les activités de la régie des eaux au cours de l'année 2023 et de discuter aussi de la bonne marche de cette même entreprise. Depuis notre nomination à la tête de la régie des eaux, nous nous sommes employés à engager plusieurs réformes basées sur certains piliers dont les valeurs de l'identité, l'intégrité et conditionnelle pour, n'est-ce pas, apporter des changements profonds qui permettront à l'entreprise de devenir une entreprise performante dans un avenir très proche. Lors de leurs échanges, les deux parties se sont également penchées sur les processus de la réforme en cours, l'exploitation, les ressources humaines, les commerciales, les développements ainsi que la trésorerie
Rien donc n'a été oublié. Edmond Mampassi, président du syndicat national des travailleurs de cette entreprise, a fait mention du cahier des charges des salariés de cette entreprise. Un accent particulier a été mis également sur la responsabilité qui lui incombe. Très bien maîtriser non seulement le fonctionnement de toutes les structures de son entité, mais aussi en avoir la maîtrise sur tous les indicateurs. Le président de la délégation syndicale doit également veiller au respect des droits et divers avantages des vaillants travailleurs qui nous ont donné mandat de les représenter et être par ricochet leur porte-parole. L'observation d'une minute de silence pour rendre hommage aux travailleurs décédés a fait partie de la rencontre. Plusieurs recommandations concrètes sont donc attendues à l'issue des travaux. Merci Serge Mata. Et puis, ce rappel de l'obligation, la DGRK informe et appelle les contribuables assujettis aux impôts fonciers et autres taxes dues à la ville de Kinshasa de s'acquitter de leurs obligations fiscales et non fiscales redépendantes. Les échéances du 31 mars 2024 lancées par la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, valaient pour un ultimatum de paiement des impôts fonciers, redevances et diverses taxes dues à la ville-province Kinshasa. Tous les moyens et stratégies de sensibilisation ont été mis à contribution pour passer au contrôle et vérification qui démarre ce 1er avril 2024. Le directeur général de la DGRK, Michel Moussa Kamayel Nkai, a, au cours d'un point de presse tenu le 29 mars dernier, attiré l'attention des assujettis, personnes physiques ou morales, sur l'obligation fiscale et non fiscale de payer l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et impôt revenu 2023. L'avantage de pratiquer la culture fiscale, mais aussi les risques auxquels on s'expose pour non-paiement d'impôts et les sanctions envisagées. Après la date butoir de l'échéance du 31 mars 2024, la Direction générale des recettes de Kinshasa procédera à la relance de tous les défaillants en déclaration. Il y a des pénalités d'assiette par mois, des retours qui s'ajoutent au principal, soit 25%. Ensuite, les redevables qui ne s'acquittent pas toujours de leurs devoirs civiques seront taxés d'office avec des pénalités d'assiette. Pour le DG Michel Moussa Kamayel Nkai, le paiement s'est fait uniquement par voie bancaire avec la preuve de paiement à déposer à l'administration fiscale ou en ligne sur la page numérique de la DGRK. Le contraire est punissable. Nous sommes lundi de Pâques aujourd'hui. Hier dimanche, plusieurs communautés se sont souvenues de la résurrection du Christ. Les communautés chrétiennes, bien entendu. Je vous emmène en l'église mission de Pentecôte avec ce commentaire de Edith Chalakatala. Le Christ est-il réellement ressuscité le 31 mars? Nous disons non. Nous ne sommes pas dans une bataille de dates ou de calendriers. Ces propos sont ceux du pasteur Pacifique Naouizi Lusambo de l'église mission de Pentecôte, extension de la Borne, située sur l'avenue Bobozo, 8 bis limité industriel, entrée d'Ilandos. S'inspirant des Saintes Écritures, Philippiens 2, 5 à 11, le pasteur Pacifique évoque un souvenir, une commémoration et surtout le contenu de l'œuvre du salut qui a été accomplie. Si nous pouvons parler de la Pâque, nous en parlons à titre de souvenir. Nous nous souvenons qu'un jour, notre Seigneur est allé à la croix, il s'est offert, il s'est livré, il a versé son sang pour le salut de nos âmes, pour notre délivrance. Nous qui étions en train de croupir sous l'empire du diable, sous la domination de Satan, Jésus est allé à la croix et par son sacrifice, il nous a libérés. La Pâque, c'est donc cette communion avec l'œuvre de la croix. La Pâque, c'est ce souvenir. La Pâque, c'est cette expérience au quotidien. Avec beaucoup de tonus, ce prédicateur a apporté l'évangile à ses brebis pour célébrer cette résurrection de Jésus-Christ qui fonde la foi chrétienne. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je reviens sur la principale information. Nous sommes le 1er avril. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, c'est une vérité. Une femme devient locataire à l'hôtel du gouvernement. Judith Suminwa Tuluka, nommée Premier ministre ce soir par le chef de l'État. Vous avez suivi ses premiers mots après cette nomination. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour vous présenter cette femme qui accède à la primature. Fin de ce journal. Retrouvez à 23h Bobo Samba pour un nouveau journal.